Bonjour à tous, c'est Etrigan et ça fait un petit moment déjà que je me dis que je dois faire une vidéo sur Crypt of the Necromancer qui est sortie de sa phase early et bêta il n'y a pas si longtemps que ça finalement pour arriver en version release. Depuis il a même avancé hein, puisque là il n'est pas en version 1.0, il est en version 1.19. C'est un jeu qui suit son petit bonhomme de chemin et qui a déjà des cohortes entières de fans qui trouvent ce jeu absolument dantesque. Alors moi, dans le principe, je trouve le jeu formidable, moi aussi. Le seul petit problème que j'ai avec ce jeu, c'est que je suis nul. Voilà, mais vraiment nul de chez nul. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que j'ai presque du mal à pouvoir profiter du jeu comme il se doit, puisque vraiment je suis nul à ce jeu, voilà, vraiment nul. Donc il faut que je fasse avec, hein. J'ai pas vraiment le choix. Je me disais justement, c'est chiant, ils ont mis plus de temps sur GOG, parce que moi je l'avais pris sur Good Old Games ce jeu. Par rapport à Steam, il y avait eu une mise à jour importante qui avait été faite, et je me disais, bon sang, elle arrive pas jusqu'à nous. Si, ça y est, c'est fait. Donc du coup, dans les options, on a notamment maintenant, alors je sais pas que c'était très important pour un jeu comme celui-là, mais on a désormais le sous-titrage, la langue française. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors le principe, vous avez sans doute déjà entendu parler de Crypt of the Necromancer. Si c'est pas le cas, mode rapide dans le lobby, ça me paraît bien. Donc c'est quoi ce jeu? C'est un mélange hautement improbable entre le roguelike, dungeon crawler, donc on descend vraiment dans des donjons générés aléatoirement, ou de manière procédurale, devrais-je dire, parce que j'ai l'impression quand même que dans les premières zones, on trouve un petit peu toujours les mêmes genres de monstres et de difficultés. Il y a une musique qui est assez dantesque dans ce jeu, c'est clair. Et il faut, voyez, sauter comme ça et essayer de suivre le rythme pour ne pas briser un multiplicateur que l'on a si on arrive à garder le rythme et réussir à battre les monstres en rythme. Alors, c'est assez difficile. Je trouve ça super dur. J'ai vraiment du mal. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu est bourré de contenu. Il est super bien foutu. Vous avez par exemple ici le codex avec histoire de dragon, histoire de piège, des techniques avancées de maître qui se trouvent ici. Là, c'est fermé. Il faut trouver une clé dans la zone 2. Ici, c'est un agent d'entretien qui peut récupérer. On peut récupérer des objets qui sont ici. Là, il faut rechercher la zone 2. Trouvez-moi dans la zone 1, donc je ne l'ai pas trouvé encore. Les upgrades ici. Voilà, on peut aller dépenser les petits diamants là qu'on a gagnés. On peut aller les chercher là-dedans. Voilà. Il y a un autre endroit, maître du donjon ici, où on peut gagner également des choses supplémentaires. Donc par exemple, je peux aller chercher un cœur supplémentaire ici, ce qui est très, très pratique. Sachant que si on sort de la zone dite de lobby sans avoir utilisé les trucs qu'on a, enfin, ils sont perdus en fait. Donc il vaut mieux tout dépenser en fait avant de retourner dans un donjon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, donc on nous dit hein, quand on rate un battement, parce qu'il faut rester en rythme logiquement. Alors, le problème, des fois j'ai des petits problèmes avec le clavier quand même. Ça c'est un peu chiant. Il y a des fois où je perds le rythme alors que j'ai appuyé sur la touche. Vous voyez là par exemple, voilà, là ça fait deux fois, à gauche ou à droite, ça bloque. La flotte ici. Le singe, il reste collé sur nous mais il nous fait pas perdre de points de vie. Qu'est-ce que je fais là? Évidemment, quand on perd le rythme, on perd le multiplicateur. Enfin, c'est un jeu qui est assez infernal. Mais il y a plein de trucs à découvrir. Et puis en plus, on peut utiliser la pelle pour trouver des zones secrètes. La musique est super funky. Hein. Ça m'éclate.
Ah, je suis mort. J'ai vraiment du mal à jouer à ce jeu, c'est terrible. Mais il faut dire aussi, ouais, je sais pas, je fais des, je sais pas, il y a des trucs qui marchent pas sur mes touches de, il y a des moments où je bouge et ça bouge pas. Donc, ah, rester pour utiliser les diamants, ouais, j'en ai un. Et voyez, j'ai acheté un truc qui me permet d'avoir 4 cœurs et je les garde. C'est ça qui est intéressant. Donc, un coffre rouge par section. On a intérêt évidemment à jouer et à rejouer. Comme ça, on sera de plus en plus fort. Ou alors, il faudrait que je refasse la calibration, peut-être. Parce qu'on calibre les... Merde. Ça, j'aurais dû me douter que ça allait faire ça. Une torche. Eh bien, cette épée large parce que elle frappe effectivement devant elle. Surtout sur une largeur plus importante. Donc elle est assez pratique. Et je perds constamment le rythme en fait, c'est ça qui est chiant. Je rate des battements de cœur. Ou alors, c'est parce que justement je suis pas assez en rythme peut-être. Faut regarder le rythme. Alors ici, il y a une clé à récupérer, je crois, ouais. Allez, j'ai déjà plus qu'une vie, hein. La musique. Donc là, il y a un shop. Je vais acheter la clé. Aidez-moi! Achetez la clé en or! J'arrive! Voilà! A bientôt dans le lobby! Vous avez la map sur le côté? C'est assez fun, hein. C'est très original comme jeu, en fait, ce mélange totalement improbable. Là, le rythme est plus rapide, donc faut essayer de se le mettre dans la tête. Quand on respecte le rythme, on a un multiplicateur de pièces, hein, qui est assez intéressant. Je suis mort. On peut regarder un replay aussi, faire un redémarrage rapide. Alors, pour un diamant, j'ai plus rien ici. Voilà. Amélioration permanente. Lui, il vend des objets que l'on emmène uniquement, enfin, qui apparaîtront dans les coffres qu'on va ouvrir. Le maître des bêtes, c'est celui que j'ai libéré. Venez vous entraîner contre les ennemis. C'est assez intéressant. Donc c'est un mode entraînement. Voilà. Choisissez un ennemi contre qui vous entraînez. Voilà, vous avez fantômes, squelettes, singes, zombies. Puis au fur et à mesure, évidemment, qu'on les déverrouille. Ça, on peut s'entraîner contre le fantôme, par exemple. Parce qu'il disparaît de temps en temps. Voilà, ça fait un ennemi qui est assez casse-couille. Une fois qu'on a compris son pattern, une fois qu'on a compris comment il bouge, ça peut permettre effectivement d'aider un peu.
Alors, agent d'entretien, ici, collecte, on est déjà allé. Bon, tout ça, c'est encore bloqué. Il y a du coop en local ici. On peut également choisir son personnage. Voilà, il y a un éditeur de niveau. Tout ça est verrouillé et se déverrouille au fur et à mesure. C'est assez sympa. Vous avez un didacticiel qui se trouve ici, aussi, bien sûr, qui vous apprend comment jouer. Appuyez sur une touche flèche au bon moment. Voilà, c'est ça l'idée. If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. Vous avez le beat ce qui vous est donné en fait. And this blue one just moves up and then down, so if I attack from the side, I'll never get hurt. Tant que vous restez dans le rythme. Alors, j'ai un problème, moi, c'est à chaque fois que j'ouvre une porte. Chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai tendance à perdre le rythme. Il doit falloir que j'anticipe. Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. Faut s'imprégner du rythme. Vous avez compris le principe, c'est super difficile, honnêtement. Je sais pas pourquoi, je dois pas. J'ai probablement un sens du rythme totalement foireux, hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Un peu la loose. Il y a un dragon là, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas bien. Le bon rythme. Infernal ce jeu. Ok, voilà. Donc je voulais juste vous en parler, hein. C'est une petite vidéo que je fais dessus. Je suis très très mauvais à ce jeu. Il y a des gens, vous pouvez voir certaines vidéos sur internet, il y a des gens qui sont incroyables sur ce jeu. Je sais pas comment ils font, je suis scotché. Et voilà. Donc bon, il y a aussi probablement une question d'entraînement. J'y ai pas énormément joué, hein, à ce jeu. J'ai pas eu le temps. Je pense qu'il faut quand même pas mal d'investissement en temps pour maîtriser l'affaire. Et donc du coup il faut y passer quand même un certain temps. Donc bon je me consacre en ce moment à d'autres jeux. Donc voilà, mais je sais qu'à un moment donné il faudra quand même que j'essaye d'assurer un peu plus. Parce que je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de follement original dans ce jeu. Et de très réussi en fait, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit les petits pixels que je trouve charmants, le principe de jeu aussi que je trouve complètement démentiel. Mais qu'est-ce que c'est dur, hein, qu'est-ce que c'est dur, hein, voilà, mais c'est très intéressant. Voilà, c'était Etrigan pour la découverte de ce roguelike un peu particulier, voire très particulier, Crypt of the Necromancer.
C'est vraiment un jeu très très intéressant. Il a eu de multiples récompenses depuis sa sortie, c'est impressionnant. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous trouvez un de ces quatre une petite promo pour ce jeu et que vous aimez de manière générale les roguelikes, les jeux de rythme, alors si jamais vous aimez les deux, hein, si vous êtes des inconditionnels des jeux de rythme et des roguelikes, alors ce jeu est forcément fait pour vous, hein, c'est obligé. Voilà. Il y a aussi, je crois, alors il y a les musiques personnalisées, mais ça marche pas toujours très très bien, on m'a dit. Il y a des modules, ça non. Option. Étalonnage de latence. Voilà. Ça, c'est un truc qui est super important. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est sur la touche O au moment de la pulsation. Donc une latence qui est mise en place et qu'il faut faire en fait la première fois qu'on fait le jeu pour bien configurer comment les touches. Voilà, c'est important. Et qu'elles réagissent bien en fait, qu'il y ait bien une adéquation entre le son et le battement du cœur. Hein, tout simplement, il y a pour éviter qu'il y ait une. Si jamais il y a une latence, on peut la régler au niveau de cet échantillonnage. C'est plutôt pas mal foutu. Voilà. C'était Etrigan, donc pour la découverte très très rapide de Crypt of the Necromancer. Je pense de toute façon que ce n'est pas une découverte pour vous, vous avez déjà entendu parler de ce jeu, vous y jouez peut-être même déjà. Et vous savez à quel point il est étonnant ce jeu, mais il fallait quand même que je fasse un clin d'œil dans sa direction, puisque c'est quand même un jeu indé, et ça je respecte beaucoup ça, et que les gars ils ont fait très fort. En nous sortant un concept carrément hyper frais. Et ça, c'est vraiment. Y a des gars qui ont des idées. des idées vraiment étonnantes. Voilà. C'était Trigan et je vous dis à bientôt. Ciao.